Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Document A. Drake explique pourquoi il a fait la paix avec Kanye West. Drake voit plus loin. Pour une surprise, après des années passées à entretenir leur beef, le Sis God et Ye ont finalement fait la paix. Les deux se retrouveront d'ailleurs d'ici quelques heures sur scène, dans le cadre d'un concert militant pour la libération de Larry Hoover. Et selon J. Prince, Drake justifierait sa réconciliation avec West comme une manière d'avancer. Des retrouvailles étonnantes, mais justifiées. Les retrouvailles entre les pontes de OVO et GOOD Music sont désormais actées. Embrassant une démarche lancée par J. Prince, Drake et Kanye ont finalement fait la paix. Interviewé par Billboard, le PDG de Rapallo Records explique ce qui a poussé le Champagne Papy à revoir sa position vis-à-vis de Ye. J'ai montré à Drake la situation dans son ensemble. J'ai fait comprendre qu'il y avait une opportunité, et que cette opportunité pourrait sauver des vies. J'ai cru en Drake et Kanye pour qu'ils soient des exemples, en tant qu'artiste hip-hop, et que ça puisse sauver des vies. Je pense que nous allons être imités, et c'est important d'être un exemple pour ceux qui nous regardent, et ça représente quelque chose pour Drake. Le fait de mettre en lumière les injustices, la réforme des prisons, et mon frère Larry Hoover. J'ai dû trouver la force pour passer outre la colère, ou quoi que ces deux mecs avaient l'un envers l'autre. Pour rappel, et Kanye West travaillaient sur un projet commun en 2017, avant que Pusha T ne dévoile au monde l'existence du fils du Sis God, ce qui aura eu pour effet de lancer une brouille entre les deux rappeurs, éteinte très récemment comme évoqué quelques lignes plus haut.